Bonjour à tous, je suis Lily de la chaîne Pensée Digital Marketing. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nous allons parler de l'affiliation. Alors, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à télécharger le guide, cet outil pour démarrer votre business en ligne sous la vidéo. Alors, l'affiliation, qu'est-ce que c'est? Donc, je suppose que vous en avez déjà parlé. Il y a pas mal de personnes qui gagnent leur vie grâce à l'affiliation. L'affiliation vous permet de gagner un complément de salaire ou carrément un revenu. Alors, comment ça se passe? Je vais vous donner dans cette vidéo trois conseils, trois tips pour gagner un complément de salaire, un revenu grâce à l'affiliation. Donc, vous avez déjà entendu parler, je suppose, de l'affiliation qui est instaurée par Amazon, notamment par leur club partenaire. Alors, certains blogueurs et influenceurs proposent des produits qu'ils connaissent, qu'ils ont testés, et ils rajoutent sur leur blog, sur leur site ou sur leur chaîne YouTube des liens d'affiliés qui leur permettent de gagner une commission dès qu'une personne achète en cliquant sur ce lien. Mais il y a un petit hic, c'est que sans un gros trafic, sans un auditoire conséquent sur votre site, sur votre chaîne ou sur votre blog, vous ne pouvez pas espérer grand-chose. Alors comment vous pouvez espérer gagner plus en recommandant des produits des autres? Parce que c'est ça l'affiliation, c'est recommander des produits des autres. Alors si vous n'avez pas le temps créer vos propres produits, vos formations en ligne, vous pouvez en attendant de réaliser vos propres produits, vous pouvez gagner de l'argent sur les produits des autres. Alors, vous pouvez recommander des formations en ligne d'experts dans leur domaine. Alors, bien sûr, il faudra tester leur formation pour pouvoir en parler. Parce que si vous ne testez pas les formations que vous proposez, les personnes vont le sentir. Elles vont voir que vous n'êtes pas honnête, que vous n'êtes pas sincère. Et là, vous risquez de tout perdre. Donc, faites vraiment attention. C'est très important d'être honnête, d'être sincère avec vos abonnés, avec les personnes qui vous suivent, avec les personnes qui aiment votre travail. Et surtout, recommandez des formations qui sont en lien avec votre thématique. Si vous travaillez dans la voiture, je ne sais pas si vous avez un site sur l'automobile, ne recommandez pas des produits sur des shampoings, par exemple. Ça n'a rien à voir. Et vous allez vraiment vous discréditer. Donc, ça peut être très grave. Donc, faites attention à ça. Donc, c'est vrai que l'affiliation peut générer des revenus très intéressants, à condition d'être patient et de travailler sur du long terme. Vous ne pouvez pas espérer gagner un complément de salaire ou un revenu avant 6 mois. C'est pour ça que j'insiste. Il faut être patient. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent avant ces 6 mois et qui ne gagnent rien et qui vont dire que l'affiliation ça ne marche pas. Pas du tout, l'affiliation ça marche. Voilà une des questions que se posent la plupart des micro-entrepreneurs sur internet qui aspirent à gagner de l'argent sans créer leurs propres produits grâce à l'affiliation. Vous vous dites comment générer vos premiers euros. Alors je vous donne là les trois conseils. Il faut que vous identifiez les besoins de vos lecteurs ou de vos abonnés. Vous devez absolument identifier leurs besoins réels, ce qu'ils cherchent vraiment sur Internet, ce dont ils ont besoin pour réussir. Alors, avant de promouvoir un bon produit, il faut absolument que vous ayez cette question en tête. Il faut que vous identifiez, que vous compreniez ce que votre lecteur ou votre abonné a à l'esprit, ce qu'il recherche. Vous devez aussi trouver des formations en ligne, par exemple des produits numériques qui vont pouvoir résoudre leurs problèmes. Donc avec cette approche, vous avez toutes les chances de réussir dans l'affiliation et surtout de gagner un revenu. Donc il faut absolument, pour réaliser un maximum de ventes, que vous proposiez des solutions concrètes qui sont adaptées aux besoins de vos lecteurs. Faire de l'affiliation, c'est souvent trouver des solutions à des clients potentiels en échange d'une commission de la part du vendeur. Alors cette commission, elle peut se situer entre 50%, 60%, 70%. Alors vous imaginez, si vous proposez une formation, je ne sais pas, à 97, 200 euros, vous pouvez espérer 50%, 60% de commission. Donc ça peut être très, très important. À condition, et je le répète, d'avoir un gros trafic, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de monde qui vous suivent, qui regardent vos articles, qui lisent vos articles et qui s'intéressent à ce que vous faites. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut recommander des produits que vous connaissez. Il existe des centaines de milliers de produits et de services à vendre.
Vous pouvez choisir de recommander n'importe lequel au lecteur de votre blog ou aux abonnés de votre site ou de votre chaîne YouTube. Mais c'est pas aussi simple que cela. Vous devez savoir que la plupart des gens qui achètent ou qui cliquent sur les liens d'affiliation, parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils ont confiance en vous, et non parce que votre produit semble bon. Ce qui signifie que pour réussir dans cette forme de marketing, vous devez tout faire pour gagner en crédibilité. Donc vous ne pouvez pas vendre n'importe quoi. Vous devez absolument promouvoir des produits qui sont en lien avec votre thématique. Donc, c'est une question aussi de confiance. Et puis, si vous connaissez le produit que vous allez promouvoir en affiliation, vous serez à même de parler, de promouvoir ce produit et surtout de le recommander. Les personnes qui vont vous lire ou qui vont regarder votre vidéo, elles auront confiance. Vous pouvez aussi apporter des solutions grâce à l'affiliation, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Vous devez absolument, c'est très important, recommander des produits qui sont en lien avec votre thématique, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il faut aussi que ce soit des produits de qualité. Il faut que vous choisissiez des produits et services proposés par des entrepreneurs, des entreprises de bonne réputation, c'est super important. Il n'y a rien de pire que de faire des éloges d'un produit dont la page de vente elle ressemble à rien. Vous risquez de perdre vraiment une vente, de perdre aussi la confiance d'un abonné. Donc recommandez à vos clients des produits que vous pouvez recommander à votre meilleur ami. C'est super important. Évitez de faire de la promotion de produits, comme je vous l'ai dit, sur des shampoings alors que vous parlez d'automobile sur votre site. Non, il faut vraiment que vous soyez crédible. Alors comment faire ? Premièrement, il faut générer du trafic vers votre blog, ça c'est super important. Si vous faites de l'affiliation et qu'il n'y a personne qui vous lit, qui regarde vos vidéos, vous n'allez rien vendre. Donc forcément, l'affiliation ne marchera pas. La quantité de trafic que vous générez joue un rôle super important dans le nombre de ventes que vous ferez en affiliation. Plus vous aurez du trafic sur votre site, vers votre chaîne YouTube, et mieux ce sera pour vous. Donc je vous recommande donc d'apprendre à générer du trafic gratuit vers votre blog. Alors, c'est vrai que c'est une approche sur du long terme qui se transformera très vite en investissement super rentable. Vous pouvez aussi faire de la publicité Facebook pour attirer du monde sur votre page, sur votre site. Ça, c'est toujours rentable malgré tout, malgré les problématiques qu'a connu Facebook. La publicité Facebook reste très rentable et vous avez aussi la publicité sur Instagram. Ce sera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, c'est vrai que ce trafic gratuit va vous demander beaucoup de travail, de patience et de persévérance, mais ça en vaut vraiment la peine. Et comme je vous l'ai dit, si vous avez vraiment un budget, vous pouvez investir votre budget dans la publicité Facebook. Alors pour vous former sur l'affiliation, moi je vais vous recommander une formation que j'ai suivie. C'est la formation sur l'affiliation de Nina Abo. Je l'ai découverte grâce à ses vidéos YouTube et puis je me suis renseignée au fur et à mesure par rapport à ce qu'elle proposait, puis je me suis laissée tenter et j'ai acheté sa formation et je le regrette pas parce que elle est très professionnelle, très sérieuse. Aujourd'hui elle est reconnue pour son expertise dans le web marketing et surtout dans l'affiliation. D'ailleurs c'est vraiment sa formation phare. Elle ne vend pas du rêve, c'est ça que j'ai adoré chez elle. Elle vous explique que dans toutes ses formations, pas à pas, comment, notamment dans celle de l'affiliation, elle génère un revenu sur Internet grâce à l'affiliation. Donc elle vous donne ses techniques, ses astuces, et puis elle ne fait pas dans la rétention. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié chez elle, et c'est ce que je continue à apprécier chez elle. Et si vous avez des questions, elle reste vraiment disponible. Donc je vous ai mis le lien de sa formation en dessous, donc n'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à vous renseigner pour en savoir plus. Et vous verrez si ce système vous convient ou pas. En tout cas, il faut vraiment, pour que ça marche, il faut rester persévérant. Il ne faut pas abandonner au bout d'un mois ou deux. Il faut vraiment continuer et vous allez pouvoir récolter le fruit de tous vos efforts et vous allez pouvoir générer un complément de salaire, voire même un revenu en attendant de promouvoir vos propres produits, de créer vos propres produits que vous allez vendre grâce à votre site, grâce à votre chaîne YouTube et aussi grâce aux réseaux sociaux.
Voilà, donc je vous laisse pour cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.